Rencontre d'entrepreneurs vous est présentée par le CIC. Parce que le monde bouge. Bonjour à tous et bienvenue dans Rencontre d'entrepreneurs. Cette semaine, coup de projecteur sur un jeune duo d'entrepreneurs autodidactes. Florent Camizuli et Xavier Anton sont à la tête de deux entreprises dédiées au CrossFit. En 4 ans, ils ont réussi à développer Fit & Rack, leur société pilote qui conçoit et fabrique des accessoires et équipements pour le CrossFit. Et ils ont lancé une salle de sport, CrossFit Démon, qui rassemble à ce jour 200 licenciés. Deux activités complémentaires qui leur permettent de tester leurs propres produits auprès d'une clientèle de passionnés. Retour sur cette aventure au sein de leur fief et showroom basé à Dommartin. Bonjour Florent. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au sein de deux entreprises. On a un showroom, une salle de sport, on va en parler. C'est bien ça. Fit & Rack et CrossFit Démon. Alors quand est-ce que cette aventure entrepreneuriale a commencé pour vous? Alors en fait, nous, ça a commencé à la sortie de l'école. En fait, je m'entraînais dans une salle où ils avaient besoin d'une structure pour faire des tractions, pour prendre des éléments pour le sport. Et comme on a, avec mon associé, on a un bagage, avec Xavier, on a un bagage, on va dire, tout ce qui est dans la conception, dans l'industrialisation. On était en école d'ingénieur en alternance. Le gérant de cette salle m'a demandé une structure. Donc je lui ai conçu, on l'a fabriqué ensemble. Et après, y a des coachs sportifs qui m'ont demandé, etc. Donc en fait, ça a créé un engouement. Donc là, on est en quelle année? Alors l'auto-entreprise, ça date de 2014, fin 2014. Et puis un an après, on a dû créer l'entreprise, une SARL avec Xavier, parce que justement le chiffre d'affaires a commencé à être important et on avait besoin de plus de stock aussi, donc on avait besoin d'un endroit pour stocker. Et tant qu'à faire, on s'est dit à faire du stock, à avoir un local, pourquoi pas faire aussi un showroom qu'on équiperait avec tout notre matériel et tant qu'à faire, avoir une salle de sport où les personnes testeraient nos produits, les utiliseraient au quotidien, comme ça nous, ça nous fera un retour sur nos produits et en même temps, aussi on ferait plaisir aux personnes pour venir faire du sport chez nous. Effectivement, donc ça c'est la deuxième aventure 2016, donc grosso modo, vous avez 4 ans d'expérience derrière vous. Comment définir cette vie d'entrepreneur par rapport aux premières idées que vous aviez en tête, auto-entrepreneur? Aujourd'hui, vous êtes des vrais entrepreneurs. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette aventure? Alors en fait, c'est une aventure qui déjà est très rapide. Nous, ça fait 2 ans réellement qu'on a monté la salle, etc. On ne les a pas vus passer. Tous les jours, il y a des problèmes à gérer. Tous les jours, il y a des nouvelles demandes. On a eu affaire aussi pour vendre des produits à l'international. Donc on ne pensait pas aussitôt aller vendre des produits sur Abidjan ou dans les dom-toms, etc. Donc du coup, ça demande les transports, prévoir des transports à l'international, c'est pas comme livrer quelqu'un dans le sud de la France. Donc il y avait toutes ces choses-là, plus derrière la salle, on a eu un énorme engouement pour la salle. On a eu aussi un énorme engouement pour nos produits. Donc les deux locaux qu'on avait à la base n'étaient pas assez grands. Donc on a agrandi la salle, on a dû trouver un autre local. Donc en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses qui nous prend du temps, mais c'est toujours un réel plaisir. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui, Florent, dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure-là? De pouvoir prendre des décisions, de pas en fait avoir faire à quelqu'un pour prendre la décision, de se dire avec Xavier, voilà, on a envie de faire ça, de pouvoir se lancer directement dessus, de pas attendre que un tel prenne une décision, que ça revienne, etc. pendant 3 mois quoi. Donc ça c'est un réel plaisir de pouvoir se lancer des défis au quotidien et les faire et que ça fonctionne. Effectivement, et c'est ce qu'on va voir avec Xavier. Merci beaucoup Florent. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors ensemble, on va poursuivre l'aventure Fit & Rack et CrossFit Démon. On est en 2018. Quels sont les visages de ces entreprises? Fit & Rack fait quoi sur son marché? Alors là, aujourd'hui, vous êtes à CrossFit Démon, donc c'est le showroom de Fit & Rack en France et à Lyon. Nous, Fit & Rack, on est équipementier sportif, donc made in France, et on équipe des salles du sol au rack, donc la partie que vous voyez ici, en passant par tous les agrès, les wallballs, les barres, les poids, l'ensemble des équipements indispensables pour faire la préparation physique. Combien de références dans votre catalogue? Alors, sans compter le sur-mesure, on a 400 références. On compte 400 références à notre catalogue. Est-ce que votre atout, c'est également de proposer du sur-mesure? Oui, bien sûr. Donc là, le client, en fait, on a plein de références qui ne sont pas encore créées. Bien sûr, c'est l'avantage de faire du Made in France, c'est qu'on peut personnaliser en fonction du client, ses besoins, en couleur, en dimension, avec son nom. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, Xavier, dans un business du sport, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile au quotidien? C'est quoi le challenge?
Alors il y a plusieurs challenges, je pense que vous en doutez. L'un des gros challenges, c'est de faire face à des équipementiers low cost qui se positionnent vraiment sur l'ensemble du marché, qui peuvent séduire beaucoup de clients. Et nous, au contraire, on essaie de se placer plus sur un marché moyenne qualité avec des bons rapports qualité-prix. Ça, c'est un gros challenge au quotidien pour cibler les professionnels, les particuliers et tous ceux qui veulent utiliser notre matériel. Et l'autre challenge, c'est d'avoir du stock pour satisfaire l'ensemble des clients. Donc on vend sur notre site internet, on vend sur devis. Donc en l'espace d'une à deux semaines, on peut passer d'un stock à 100, à 0 en une fraction de seconde. Un dernier point, vous qui êtes sportif, est-ce qu'il y a une devise qui vous aide au quotidien dans votre statut d'entrepreneur, un petit plus que les autres n'ont pas ? Ne pas lâcher l'entraînement, toujours constamment. Ne pas lâcher le travail, il y a toujours plus fort que soi. Donc il faut travailler pour être plus fort que celui qu'on voit plus fort. Merci beaucoup Xavier, très belle continuation à votre belle équipe. Merci à vous. Merci. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présentée par le CIC. Parce que le monde bouge. Tous les 15 jours, en condensé.